Quant au dictionnaire qui est Flammarion, quant à lui, il dit au mot Thot. Vous allez voir, on peut s'étonner. Dieu égyptien, régulateur du temps et de l'univers. Est-ce que vous saviez cette définition de Thot? Je suppose que non. Et pourtant, c'est le plus vrai possible, là. Sa tutelle, et je l'ai dit, et Champollion le dit aussi, à savoir que Thot, c'est le dieu dont on ne prononce pas le nom en Égypte, et le meilleur moyen de l'honorer, c'est le silence. Il est sûr que le silence permet de ne pas dire de sottises.